Gloire à Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Ce soir, c'est la dernière soirée de notre disciple pour l'édition d'octobre. Et ce jour, la puissance du Seigneur qui libère va vous libérer. Tout joug sera brisé et toutes les chaînes totalement rompues ce soir au nom de Jésus-Christ. Délié, libéré, affranchi, Père, nous te disons merci. Tu es un bon Dieu, un Dieu grand, aimable, merveilleux et puissant. Il n'y a pas de joug que tu ne puisses briser. Il n'y a pas de servitude que tu ne puisses détruire. Il n'y a pas de maladie que tu ne puisses guérir. Nous venons ce soir. Et comme nous sommes devant toi, nous prions que tout le monde soit délié au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons au Romains chapitre 7. Romains 7, versets 2, 3 et 4. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si le mari est mort, elle est libérée, elle est déliée, elle est affranchie de la loi qui la liait à son mari mort. Dès que le mari meurt, la loi qui liait la femme à son mari, la loi là aussi est morte. Et le verset 3 dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Lorsque ce mari mort s'en est allé, elle est affranchie. Elle est déliée. Elle est libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le verset 4. De même, mes frères, c'est ici, c'est la conclusion qu'il veut nous donner. Voici le résultat. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort. Moi aussi, parce que je crois en Christ, parce que je suis uni à Christ, moi aussi, je suis mort, mis. Je suis mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. La loi est morte. L'ancienne vie est morte. L'ancien chef de corvée est mort. La servitude est morte. Et pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Je vous parle ce soir à ce dernier jour de disciple. Nous avons délié de la loi morte et marié au Dieu vivant. Vous êtes délié, amen, de la loi morte et vous êtes marié au Dieu vivant.
Nous allons voir trois points rapidement. Nous allons voir délier définitivement de la condamnation et de la malédiction de la loi morte. La loi qui a été donnée et nous avons violé la loi à cause de cela. La malédiction de la loi violée s'est abattue sur nous. Mais maintenant, Christ est venu et Christ nous a libérés. Nous a libérés de la malédiction et de la condamnation de la loi morte. Deux. Et maintenant, parce que nous sommes mariés au Seigneur vivant, nous sommes mariés au Seigneur exalté, nous sommes mariés à celui qui a le nom au-dessus de tout autre nom sur terre. Deux, c'est actuellement aimé avec compassion et soin par notre cher Seigneur. Parce que nous sommes joints à lui, parce que nous sommes mariés à lui, parce qu'il a compassion et il a l'amour, parce qu'il nous a rapprochés de lui-même, mariés à lui, en ce temps présent, parce que le passé est passé, et parce que l'ancien chef de corvée est mort, actuellement, nous sommes actuellement aimés avec compassion et soin par notre cher Seigneur. Troisième point, vivre perpétuellement à tout moment, maintenant que nous sommes associés à Christ, maintenant que nous sommes liés à Christ, maintenant que nous sommes devenus l'épouse de Christ, vivre perpétuellement à cette compagnie et à ce contrôle de sa seigneurie divine. Numéro 1, nous allons voir délier définitivement de la condamnation et de la malédiction de la loi morte. Revenons à ce Romains chapitre 7. Nous allons voir le verset 2. Ainsi une femme mariée est liée par la loi de Dieu, est liée par la loi que nous avons reçue jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, c'est en ce temps-là seulement, après que le mari est mort, c'est dit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Marie, verset 3. 3 dit, si donc Dieu vivant de son mari, le premier mari, si donc Dieu vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, lui qui avait le contrôle, la loi sur lui, l'amour sur lui, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Et elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que dès que l'ancienne loi, la loi des sacrifices est morte, la loi des rites est morte, la loi de la tradition est morte, la loi des sacrifices et des offrandes est morte. Dès que vous reconnaissez cela, vous acceptez cela, vous croyez cela et vous dévouez à la nouvelle loi, au Seigneur Jésus-Christ, c'est dit que dès que l'ancienne loi est morte, la condamnation qu'elle a apportée est morte dans votre vie. La malédiction que cela apporte est morte dans votre vie. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils se sont mariés au Seigneur Jésus. Ils se sont consacrés au Seigneur Jésus. Ils ont abandonné tous ces rites, ces rituels, ces cérémonies, tous ces sacrifices, toutes ces offrandes. Alors, ils sont morts à l'ancienne loi. Et à cause de cela, alors vous ne pouvez pas être mort à la loi et ne pas se marier au Seigneur. Les deux vont de pair. Vous abandonnez l'ancien. Vous venez au nouveau. Et vous êtes marié à Christ. Et vous faites alliance avec Christ. Vous dites oui à Christ. Avec la totalité de votre cœur, votre esprit, votre vie. Et dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation parce que la condamnation, parce que le châtiment, parce que la pénalité ou la peine de la loi violée, tout est ôté parce que vous êtes mort à l'ancienne loi et vous êtes mort à tous ces rituels et maintenant vous venez à la rédemption de Christ, marié à Christ et qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Le verset 2 qui dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous venons encore à la vie en Christ lorsque nous nous détournons de ces anciens rituels, de l'ancienne rébellion, de l'ancien mal, de l'ancienne dépravation. Nous venons maintenant pour vivre, pour ce que Christ a fait. J'abandonne l'ancien, je viens au nouveau. J'abandonne l'ancien et je viens au nouveau. Et c'est dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un crie « Amen ». C'est ce qu'il a fait. Et il nous a affranchi. Et l'ancienne loi, et avec l'ancienne vie, tout est abandonné. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Et le verset 3 dit, car chose impossible à la loi, ce que l'ancienne loi ne pouvait pas faire, ce que les rituels ne pouvaient pas faire, ce que les sacrifices ne pouvaient pas faire, ce que la cérémonie de l'ancienne alliance ne pouvait pas faire, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant. Alors, il est venu avec sa chair sans péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Christ est venu mener une vie parfaite, une vie impeccable, une vie innocente, une vie et la justice exigée par le Seigneur. Il a tout accompli dans son caractère, dans son moral, dans sa conduite, dans son style de vie. Il a fait cela pour nous. Vous comprenez, lorsqu'une femme est mariée à un homme, le nom de cet homme maintenant est mis sur la femme. Le trésor de l'homme appartient à la femme si vous êtes marié à Christ. Sa justice vous est imputée lorsque vous êtes marié à Christ. Sa pureté, sa puissance sont disponibles pour vous. Lorsque vous mariez à Christ, tout ce que Christ a, la faveur qu'il a au ciel et la bonté que le Père lui a donné, tout vient à vous. Alors vous abandonnez l'ancien concubin, l'ancienne concubine, l'ancien partenaire du péché, même la loi qui est morte maintenant. Vous abandonnez tout et vous venez à Christ. Et si vous venez à Christ comme ça, pleinement en Christ, complètement, absolument en Christ, ce n'est pas vous sillonner entre le nouvel homme, entre Christ et la loi.
C'est comme la femme qui dit qu'elle est mariée à ce nouvel homme, à cet homme nouveau, et elle sillonne entre le partenaire de péché et son mari. Alors elle donne 50% à son mari et 50% à son partenaire de péché. Ça, celle-là n'est pas réellement mariée. Mais quand on vient à Christ là, nous ne partageons pas notre vie, ne partageons pas notre engagement entre l'ancienne loi et Christ le Seigneur qui est devenu maintenant le mari de notre vie, l'époux de notre vie. On reste avec lui. Vous allez rester avec Christ. Définitivement, vous allez rester avec Christ au nom de Jésus-Christ. Et la condamnation sera ôtée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont mariés à Christ et qui se sont dévoués à Christ entièrement et absolument. Et la malédiction qui est venue, la malédiction qui accompagne l'ancienne loi, puisque l'ancienne loi est ôtée, nous avons la libération totale de la loi morte. Nous allons aux Galates. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lorsque la loi est morte, lorsque les rituels sont morts, lorsque ces cérémonies sont mortes et sont ensevelies, alors nous sommes mariés maintenant à Christ, nous sommes donnés à Christ et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Aucune malédiction ne viendra plus sur un véritable croyant au nom de Jésus. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, la malédiction était mise à part, la malédiction est ôtée de vous, de votre tête. C'est ôté de votre vie. C'est ôté de votre famille. La malédiction est brisée. La malédiction est ôtée. C'est dit. Parce que Christ est mort pour nous. Et dit afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis par la foi. Amen. Cette foi nous unit à Christ. C'est ce que signifie être né de nouveau. L'ancienne vie est morte. L'ancienne loi est morte. Les anciens sacrifices sont morts. Les anciens rituels sont tous morts. Et l'ancienne calamité est morte. Maintenant, vous êtes mariés à Christ. Il n'y a plus de péché en Christ. Il n'y aura pas de péché dans votre vie. Il n'y a pas de maladie en Christ. La maladie annulée de votre vie. Il n'y a pas de malédiction en Christ. La malédiction annulée de votre vie. Ouais, il n'y a pas de souffrance. Je ne sais pas d'où ceci provient. Peut-être du village. Tout est annulé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez maintenant, c'est la bénédiction d'Abraham. La malédiction ne viendra plus sur vous, ne viendra plus sur ma vie, ne viendra plus sur ma famille, ne viendra plus sur ma profession, ne viendra plus sur mon ministère. Toutes les choses auxquelles vous imposez votre main prospérera. Proverbe 26, Proverbe, chapitre 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Vous avez perdu un grand ami là-bas. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, la malédiction est encore sur le territoire des adorateurs de Satan. Et si tu t'égares, et tu vas là-bas, je veux voir ce qu'ils font. Je veux apprendre de cela. Je veux apprendre les choses de ce rituel. C'est toi qui es la cause.
et tu es allé fourrer ton nez dans à la source de Satan, de malédiction. Mais si tu restes avec Christ, si tu demeures avec Christ, je suis né de nouveau et je mène une nouveauté de vie. Christ vit au-dedans de moi. Et j'obéis à ses règles et j'obéis à ses lois. Et je ne me plonge pas dans la malédiction du péché. La malédiction sans cause ne viendra pas sur vous. Il y a des fois, des gens croient qu'ils sont en train de jouer et les dramatisent. Ils se plongent, ils vont vers les rituels des ténèbres et ils apprennent leur incantation disant que ceci c'est la comédie, je ne vais rien adorer de cette manière. Et tu parles la langue des idolâtres et tu sacrifies. On dit que non, c'est la comédie. On dit que ça c'est mal, c'est la comédie. Vous faites le sacrifice des pouvoirs des ténèbres. Vous dites que c'est la comédie. Et vous engagez à faire des choses de mascarade avec les pouvoirs des ténèbres. Tout ce qui vous viendra là, c'est vous qui l'avez causé. Restez avec Christ. Christ ne se masque pas et ne devient plus une mascarade. Christ ne parle pas le langage ou la langue des esprits des ténèbres. Je ne vais pas parler leur langue. Christ ne porte pas l'habillement des gens qui adorent les idoles. Éloignez-vous de tout cela. Et comme vous vous éloignez de tout ce qui est du diable, de tout ce qui est de Satan, de tout ce qui est de la mascarade, de tout ce qui est de l'idolâtrie, comme vous vous éloignez de cela, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur vous. Amen. Vous savez, quelques prophètes vont vous dire que et d'où viens-tu? Quel est l'esprit territorial qui te suit? Tu dis que moi je ne connais rien d'esprit territorial. Tu dis que va chercher. Tu dis que ce lieu, qu'il faut déterrer, il faut creuser quelque chose là-bas. Ce que tu creuses là-bas, ce que tu trouves, que c'est ça. Jésus n'a jamais dit ça à ceux qui viennent pour la guérison. Et quel est l'esprit territorial? Quelle est la malédiction dont il faut déterrer? Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de déterrer quelque chose. Et ce que Jésus n'a jamais fait, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. L'ancien est passé. La loi est morte. Les rituels sont morts. Les cérémonies sont mortes. Maintenant, nous sommes mariés à Christ. Parce que nous sommes mariés à Christ, c'est dit que donc la malédiction, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je regarde quelqu'un là-bas, je te regarde, ta vie à l'école, ta vie au boulot, dans tes affaires, maintenant vous êtes affranchi. Je suis affranchi. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause ne viendra plus sur vous comme vous croyez au Seigneur Jésus. Deuxième point, vous êtes actuellement aimé avec compassion et avec soin par notre cher Seigneur. Voyez, lorsque vous mariez à Christ, lorsque vous venez à Christ, alors Christ vous aime plus que jamais. Mais il y a des gens, avez-vous entendu parler d'eux? Vous pouvez apprendre cela l'autre fois. Je dis, ah, tu es heureux. Et qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête pour le mariage. Et tu la vois un an après. Est-ce que tu t'es marié maintenant? Et que toujours je planifie. Deux ans après. Est-ce que tu t'es marié maintenant? Et que je suis toujours. À la période de préparatif, il y a des gens qui planifient se marier à Christ et se disent, ce soir si tu veux donner ta vie à Christ et si tu veux commencer la nouvelle vie, lève la main. Que je suis en train de penser et je me demande, est-ce que je vais faire ça? Je planifie. Alors ils ratent le jour là. Le lendemain ils viennent, aujourd'hui est ton occasion, tu peux te marier à Christ maintenant.
afin que toute condamnation, que toute malédiction soit ôtée. Élève ta main maintenant, élève-toi. L'homme là ne se lève pas, sa femme ne se lève pas. Pourquoi? Je suis en train de penser, je suis en train de planifier. Il y a des gens qui pensent, planifient pour des années et ne se sont jamais mariés. Vous ne serez pas pareil. Je dis, vous ne serez pas pareil. Que c'est une grande opportunité de venir à Christ. Christ le Seigneur, Christ le Libérateur, Christ Emmanuel, Dieu avec nous. Christ qui rend tout possible dans notre vie. La première occasion que vous avez, la première opportunité que vous avez, l'opportunité de se marier à Christ et toutes les bénédictions de Christ dans les lieux célestes seront à vous. C'est l'heure de décider. Tu dis, je décide de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi, la croix devant moi, pas de retour, pas de retour. Quoi que les amis m'abandonnent, quoi que les amis persécutent, tout de même, j'ai décidé de suivre Christ, pas de retour, pas de retour. Quoi que les amis me tirent et disent que, est-ce que tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas de l'ancienne loi, est-ce que tu t'en vas de l'ancienne tradition, est-ce que tu quittes l'ancienne cérémonie, tout de même, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, pas de retour, pas de retour. Ce soir sera votre soirée au nom de Jésus-Christ. On va au Romains chapitre 7, verset 4. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Vous n'avez rien à faire avec l'ancienne loi encore, avec ses rituels, avec la tradition de la famille. Vous êtes mort à tout cela. Parce qu'une nouvelle vie viendra à vous maintenant. Et c'est dit, mise à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Pour Dieu. Lorsque vous mariez à un homme, le fruit sortant de vous sera celui que l'homme l'a produit au travers de vous. Lorsqu'on vient à Christ, le fruit que nous avons, c'est le fruit de notre union, de notre communion, de notre intégration à Christ. Et nous, on n'a plus des enfants légitimes, illégitimes, on ne va plus vers Satan. Par Satan, on a des fruits, on ne passe plus par des rituels pour avoir des fruits. On ne regarde pas les gens du monde et les imiter, les copier pour avoir leur caractère. Le fruit que nous portons avec Christ et à Christ et en Christ. Et nous avons le fruit de Christ et le fruit de l'Esprit. C'est quoi? C'est l'amour. Si c'est la haine, cela ne vient pas de Christ. Alors tu t'unis à une autre source, à une autre personnalité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il y a la paix. Il y a la patience. Les mauvaises paroles ne vont pas sortir de votre bouche. Lorsque quelqu'un te persécute, et que réjouis-toi. Lorsque tu es persécuté, il y a la fidélité, l'honnêteté, la foi. Il y a l'honnêteté sera le fruit de ta bouche, parce que tu es maintenant marié à Christ. Notre union à Christ, notre interaction avec Christ, notre engagement à Christ apporte le fruit. C'est le fruit de la justice. Il y aura la douceur. Vous ne serez plus une personne dure aux gens proches de vous. Vous serez béni, doux. La bonté sera le fruit que vous portez. Parce que vous êtes maintenant unis à Christ, vous êtes mariés à Christ. Et il vous regarde avec compassion et avec soin. Parce que il est notre cher Seigneur. Allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il est le Fils
Il est le numéro un. Il est l'exalté et le Messie excellent. Maintenant, vous venez à lui. Vous devenez membre de Christ. Vous êtes comme sa bouche, ses mains. Vous êtes comme ses pieds. Et maintenant, et comme des enfants bien-aimés, vous êtes imitateurs de Dieu. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime toute nouvelle créature, toute personne née de nouveau, tous ceux qui donnent leur vie à Christ et leur vie à Christ. Christ aime toutes ces gens avec la compassion du ciel et il aussi donne le soin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, comme vous venez maintenant à Christ, on parle du mariage avec Christ. Comprenez, le mari veut que son mari, le mari veut que sa femme soit propre physiquement parlant. Ouais, si la femme prend son mari à la légère, je ne vais pas me laver, je ne vais pas me laver chaque jour, je ne vais pas porter de bons habits, je ne vais pas porter des habits propres, et prend son mari à la légère, le mariage là, mais aura de problèmes. Il veut que physiquement qu'on soit propre, et moralement il veut aussi qu'on soit propre, parce que lui le mari, lui l'époux, il veut que la femme, il veut que celui-là qui s'associe maintenant, qui s'intègre à lui maintenant, il te veut, il me veut, il veut que nous soyons moralement purs, spirituellement purs. Il ne veut pas qu'on s'engage avec Satan, avec les démons. Il ne veut pas qu'on s'engage avec le diable d'une manière donnée. Il ne veut pas qu'on s'en aille. Et où vas-tu? Il veut manger les sacrifices des morts, le sacrifice des traditions. Non, on ne fait plus cela. Alors, il dit que Christ, maintenant, il fait de nous maintenant son épouse, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Lorsque nous venons à Christ, on ne donne plus des excuses. C'est comme ce que tu m'avais dit est un mensonge. Tu sais, c'est ma particularité. Non. Quand tu viens à Christ là, ces particularités sont ôtées. C'est pas que je t'ai vu de loin. Et puis tu es en train d'embrasser une femme. Ou bien tu embrasses un homme. Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Non. C'est ma amie. Et j'ai ma femme, mais si je veux avoir le plaisir, j'ai ceci. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ne fait plus ça. Parce que maintenant, il veut te présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et il prend soin de nous, tel que le mari prend soin de sa femme. Et si vous venez à Christ maintenant, et vous êtes au Seigneur, les soins du Seigneur accompagnent la compassion qu'il a pour nous. Allons à 1 Pierre 5, nous lisons le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis au boulot, les soucis à la famille, les soucis pour votre institution d'éducation, tous vos soucis, les soucis que vous avez au sujet de votre progrès, au sujet de votre promotion, tout ce que vous avez, vous vous déchargez de tout cela sur lui. Vous êtes marié à lui, il est votre époux, il est votre mari, alors vous avez abandonner, quitter l'ancienne vie. Vous avez abandonné l'ancienne loi morte. Vous êtes totalement
dévoué à Christ, alors vous vous déchargez de tous vos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Amen. Il ne va permettre à aucune épreuve de vous engloutir. Il prend soin de vous. Aucune tentation de vous faire succomber. Alors, il prend soin de vous. Il ne va pas permettre à monsieur terreur, à madame terreur, d'avoir l'autorité et le pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que il prend soin de vous. Amen. Un homme peut menacer disant, tu m'as quitté? Tu m'as abandonné? Hein? Donc tu m'as abandonné? Et tu es allé te marier à l'autre personne? Ok, d'accord. L'autre personne a le pouvoir. L'autre personne a l'autorité. L'autre personne a l'onction. Je parle de Christ. Il a toute la puissance sur terre, toute la puissance au ciel. Et lorsque vous êtes marié à Christ, quelle que soit l'ancienne voix, l'ancienne personnalité, avec ces menaces-là, il ne sera pas en mesure de te toucher au nom de Jésus. Donc vous n'avez pas peur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parce que présentement, parce que vous êtes maintenant marié à Christ, vous avez quitté l'ancien, vous avez quitté les rituels, vous avez quitté les transgressions, vous avez quitté tout ce qui a du passé, vous êtes totalement consacré à Christ. La compassion du ciel va continuer d'agir dans votre vie. Et les soins du Seigneur vont continuer à agir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen pour moi. Amen pour moi. Le ciel va dire Amen en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Vivre perpétuellement. Vivre perpétuellement à cette compagnie et à ce contrôle de sa seigneurie divine. Nous allons à Ésaïe, Ésaïe 26, Ésaïe, chapitre 26, verset 13. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Éternel, notre Dieu, avant de venir au Dieu vivant, avant de venir au gouverneur divin qui a l'appartenance de notre vie, qui a maintenant le contrôle absolu de notre vie, avant que nous soyons venus à toi, éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. C'est comme une femme mariée maintenant, elle veut prendre une décision. Au lieu de prendre la décision avec son mari, elle est allée à l'ancien ami, aux anciennes connaissances qui sont les seigneurs sur sa vie. Ce n'est pas un bon mariage. Mais nous sommes maintenant dans l'ancienne vie. Et d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Maintenant, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à toi seul. Tu es marié à Christ maintenant. Sa parole seule. Sa parole, ses idées, c'est ton idée seule. Ses décisions sont tes seules décisions qui ont la domination sur toi maintenant. Et l'ancien maître, l'ancienne loi, l'ancien rituel, l'ancienne cérémonie, cela n'a plus de portion, n'a plus part à ta vie. Et éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Verset 14. Ils sont morts, ceux qui sont morts. Ouais, parce qu'ils sont morts, vous êtes affranchis de la loi de l'ancien homme. La loi
de l'ancienne personnalité. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Vous ne dites pas que oui, je me rappelle ce que je faisais. Le souvenir est détruit. Je me rappelle bien lorsque je me vois un peu fatigué, mais je suis un peu poussé. Je sais ce que je prends. Si je me vois un peu faible, oui, je prends le truc là et j'enroule ça dans un papier, je fume ça et mon cerveau est en flamme. Je dis non, tu es marié à un nouvel homme, à Christ, au Sauveur, au Rédempteur. Tu ne vas plus retourner au souvenir du passé parce que tout cela est détruit. Vous êtes nouveau. Je suis nouveau. Deuxième Corinthiens 5. Deuxième Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. C'est ce qui compte maintenant. Nous sommes mariés à Christ et il nous aime, nous l'aimons. Il a compassion de nous, il prend soin de nous, il intercède pour nous. Et ce qui compte maintenant, c'est de prendre la décision. Il est seul, c'est lui seul qui compte à prendre la décision. L'ancien mari est mort, celui-là ne compte plus. Mais Christ à qui nous sommes mariés maintenant, et Christ à qui nous avons donné notre vie, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et le verset 15 dit, et qu'il est mort pour tous, Christ est mort pour nous. Ça, c'est le niveau de son amour pour nous. C'est le niveau de son amour pour vous. Et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Retournons, allons aux Romains. Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes totalement identifiés avec Christ, parce qu'il est mort pour nos péchés et nous sommes identifiés avec lui. Parce qu'il était enseveli, nous identifions avec lui. Au baptême symbolisant la mort, il est ressuscité avec une nouvelle force et une nouvelle puissance. Nous sommes identifiés avec lui et nous sommes ressuscités à une nouveauté de vie. Nous croyons afin de aussi vivre avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Et comme vous croyez au Seigneur ce soir, et comme vous croyez et vous réaffirmez et vous confirmez votre foi dans le Seigneur, tout ce qui est mort par la mort de Christ, alors cela n'aura pas la domination sur vous. Et le verset 10 nous dit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois. Pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Le verset 11. Ainsi vous-même. Regardez-vous. Comme mort au péché. Au péché. À l'ancien style de vie. Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. L'ancienne vie est morte. L'ancienne loi est morte. Les anciens rituels sont morts. Les anciennes cérémonies sont mortes. Tout ce qui a du péché est mort.
L'ancienne alliance est morte. Vous venez à une nouvelle relation avec Christ, à une nouvelle relation avec le Seigneur qui t'a aimé et qui est mort pour toi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donne-moi un bon amen. Le péché ne régnera donc point sur vous. La maladie ne va plus régner sur vous. Les attaques démoniaques ne vont plus régner dans votre vie. Christ, le guérisseur, Christ le sauveur, Christ le rédempteur, Christ le libérateur sera celui-là qui vous ressuscite, à qui règne pour vous dès à présent au nom de Jésus. Règne, Maître Jésus, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans ma famille. C'est toi que j'exalte maintenant. À la mention du nom de Jésus, tout autre genou va fléchir au nom de Jésus-Christ. Comme vous donnez votre vie au Seigneur, il est sauveur. Tu dis, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Et le péché qui a régné sur moi ne va plus régner. La maladie qui a régné sur moi ne va plus régner. Les mauvaises habitudes, la toxicomanie, l'ivrognerie, la fornication, l'adultère, les œuvres de la chair qui avaient régné sur moi ne vont plus régner sur vous au nom de Jésus-Christ. Christ va régner. Le sauveur va régner. Le guérisseur va régner. Le libérateur va régner. Et vous allez vivre maintenant une nouveauté de vie en Christ par la force, par la grâce, par la puissance de celui qui est venu changer votre vie. Il sera celui qui règne dans votre vie à partir de ce jour. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Quelqu'un là-bas, répétez cela. Christ vit en moi. Le Sauveur vit en moi. Répétez cela. Le Sauveur vit en moi. Le Libérateur vit en moi. Celui qui me délivre vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, imaginez-vous être dans une maison et dans cette maison-là, en permanence, il y a un docteur efficace, puissant, qui vit dans la maison là-bas. Il vit là-bas avec vous, matin, midi, soir, à tout moment. Le docteur efficace là, est toujours avec vous dans la maison là-bas. Il est pour vous, il est avec vous dans votre maison à tout moment. La maladie ne va pas vous tuer. Pensez-y. L'homme le plus riche de la terre vit dans la même chambre que vous. Il a décidé de vous prendre en mariage. Vous êtes à lui maintenant. Tout ce qu'il a vous appartient. Il est là pour vous. Il est avec vous. Il est en vous. Il est avec vous à la maison à tout moment. Tout ce dont vous aurez besoin, il va vous pouvoir ça. Vous ne devez pas aller à l'ennemi de votre vie. Vous ne devez pas aller à quelqu'un dehors là-bas. Donne-moi ceci. Parce que si Satan te passe quelque chose, il va t'accompagner. Parce que c'est son bien. Vous ne serez pas le bien de Satan. Pensez à quelqu'un que chaque qui a toute la sagesse qui vit avec toi, qui vit dans ta chambre et sa sagesse est disponible pour toi. Cela veut dire que la folie sera ôtée de ta vie. Christ vit en moi. Il va vivre en vous ce soir. Et quand, en allant, quand vous allez rentrer, il va vivre avec vous. La guérison, le guérisseur est avec vous. Le salut, le sauveur vit avec vous. La puissance, celui-là qui a tout le pouvoir de la terre et du ciel, vit en vous. La puissance-là sera manifestée. Christ vit.
pas qu'il a vécu, pas qu'il vivra au millénaire, il vit en moi ce jour. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Aujourd'hui, c'est étant le dernier jour, il ne doit pas se trouver quelqu'un ici qui ne donne pas sa vie, son cœur à Christ, au Sauveur, au Guérisseur, au Rédempteur, au Sauveur. Et il nous appelle maintenant, il dit que voici votre occasion, qu'il veut venir vivre au-dedans de vous, et dit que voici, je me tiens à ta porte, la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un, si un homme, si une femme, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Le Sauveur va rentrer. Le guérisseur va rentrer. Le libérateur va rentrer. Et celui-là, qui prend soin de nous, de toute manière possible, à tout moment, il dit qu'il va entrer. Les têtes baissées, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Le Seigneur est là maintenant à votre porte. Et si vous ouvrez la porte, si vous détournez de l'ancienne vie, de l'ancien Seigneur, de l'ancienne loi, de l'ancien Seigneur, vous venez recevoir le Seigneur comme votre sauveur personnel. Il va entrer, il va vous pardonner, il va vous affranchir, il va vous délier de cette loi morte. Où que vous soyez, vous êtes maintenant prêt, c'est votre occasion, c'est votre chance ici. Pour lui Alpha, là-bas en ligne et dans tous les pays où que vous soyez, vous voulez avoir Christ, le Sauveur. Vous voulez qu'il soit votre Sauveur, qu'il pardonne tous vos péchés que vous aviez commis. Levez la main. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Levez la main là-bas. Levez bien la main. Voici votre occasion maintenant. C'est lui qui va briser toujours dans votre vie. C'est lui qui va détruire toutes les œuvres du diable dans votre vie. Maintenant, il dit, tu le veux comme Seigneur, tu le veux comme celui qui pardonne, tu le veux comme celui qui a affranchi, lève la main là. Si tu lèves la main, prière te tenir debout. Amen. C'est bon. Partout où que vous soyez, vous voulez ce Sauveur, ce Jésus, celui qui va briser toujours dans votre vie. Et celui qui va vous sauver, qui va vous affranchir. Vous allez vouloir vous marier à Christ maintenant, afin que son amour, sa compassion, ses soins, sa guérison, que sa conversion vienne à vous. Si vous levez la main, tenez-vous debout, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Et maintenant, de tout votre cœur, vous dites, j'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. J'ai décidé, je décide d'abandonner ma vie passée et de venir à cette nouvelle vie en Christ, pas de retour, pas de retour. J'ai décidé que les anciens rituels, les anciennes cérémonies, les anciens sacrifices et l'ancien style de vie ne vont plus demeurer avec moi. Je viens à Christ pour être mon Sauveur et pour qu'il devienne mon Seigneur. Je décide de suivre Christ de tout mon cœur. Pas de retour, pas de retour. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il va vous sauver, il va vous pardonner, il va vous affranchir, il va changer votre vie. Alors, il va se marier à vous et les soins et les soucis, le reste de votre vie, tout sera sur l'épaule de Christ. Parlez au Seigneur. Père, je prie pour vous maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que tous ces gens qui se sont tenus debout, tous ces gens qui ont levé la main pour avoir Jésus comme leur sauveur personnel, soit leur sauveur, soit leur Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
annule l'ancienne malédiction. Annule l'ancienne condamnation. Que ta compassion occupe leur vie. Que tes soins rentrent dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Confirme ce salut avec la joie du salut et l'amour de Dieu dans chaque cœur maintenant. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous aider. Quelle que soit la question qu'ils vous posent, donnez la vérité. Dites la vérité. Parce que Christ, maintenant, la vérité est là. Christ est votre Seigneur. Satan, le menteur, n'est plus votre Seigneur. Christ, la vérité, est votre Seigneur. Merci que le Seigneur vous bénisse. Félicitations à vous pour la décision prise ce soir en suivant le Seigneur Jésus et en faisant de lui le Seigneur, le gouverneur de votre vie. Prière, coopérer avec les conseillers en leur donnant toutes vos coordonnées, l'information exacte. Ceux qui sont en ligne, envoyez vos informations. Please cooperate with the counselors and follow the Lord and serve Him faithfully. Please do that and the Lord will bless you. Counselors, let's be thorough in what we are doing. Que les conseillers soient minutieux à prendre les informations des nouveaux convertis. Ceux qui sont en ligne et qui ont donné leur vie au Seigneur après le messager de l'homme de Dieu, il y a un lien là-bas. Et au bas de votre écran, cliquez sur le lieu là, sur le lien et vous verrez une page s'afficher. Remplissez bien la fiche là et soumettez-la. Si vous êtes à la radio, à la télévision, vous venez de donner votre vie au Seigneur, envoyez vos coordonnées aussi par un SMS ou par WhatsApp. Écoutez attentivement au numéro plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 91 54 44 92 63. Il y a le rallye pour les nouveaux convertis, un banquet spécial pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Au cours de ce programme, et aussi ceux qui sont en ligne, des gens qui ont pris cette décision ce jour, le banquet aura lieu le dimanche 5 novembre vers 23.
Plus de détails au sujet de cela vous seront envoyés. Le pasteur serait très content de voir prendre part à ce banquet. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ne peuvent pas écrire, aidez-les à écrire les informations. Si vous vivez un lieu sans adresse, prière bien indiquée pour que ne soyez pas perdu, qu'on puisse bien vous localiser. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Grâce à la décision que vous avez prise ce soir, toute information que vous donnez doit être exacte. Vous ne devez donner aucune fausse information qui vous fasse présenter, l'information qui vous présente. Vous n'allez pas donner une information qui vous présente comme un faux ou bien un faussaire. Si vous êtes l'un de ceux qui ont donné leur vie à Christ, alors faites signe. Fait signe pour que le conseiller puisse vous voir et puis vous aider. Le Seigneur vous aime et nous vous aimons aussi. Priez, coopérez avec les conseillers. Ensure that we reach everyone who has made this good decision tonight. The decision to follow Jesus. Et si vous n'êtes pas debout, c'est l'heure de taper la porte du ciel en présentant vos requêtes au Seigneur calmement, et quand vous faites cela avec foi, le Seigneur vous visitera ce soir. Last night, the servant of God is not in a hurry. You see him seated, he's waiting. As soon as one when it comes to
L'homme de Dieu viendra prier pour nous tous. Il viendra faire la prière de miracle. Le Seigneur a quelque chose pour vous. L'homme de Dieu est prêt, vous attend. At the far back, just wave the white flag. I'll see you. Oh, thank you very much. Priez vous tenir debout tous. L'homme de Dieu est prêt. Tenons-nous tous debout. Amen. Que votre amen soit tonitruant, très fort. Ce soir, le Seigneur est venu avec compassion, avec soin, avec guérison, avec rétablissement, avec délivrance. Et il n'y a pas d'exception, il vous touchera là-bas ce soir. La mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute maladie disparaîtra de votre vie. Ce soir, il y aura une pléthore de témoignages. Qui va donner son témoignage? Amen, 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 amen. Pour vous, levez la main là. Imposez l'autre main là où vous avez le mal. Là où vous avez un mal, une maladie, une malédiction, une oppression, une attaque, une affliction. Levez la main là. Lorsque vous aurez entendu le dernier amen, vous saurez que c'est fait. Père, nous te remercions ce soir. Tu es Dieu le Père qui ne faillit jamais. Christ, nous venons ce soir en ton nom. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous prions qu'il y ait une nouvelle création dans chaque vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Comme nous avons abandonné l'ancien rituel, l'ancienne cérémonie, l'ancienne adoration de Satan. Et nous abandonnons les anciennes maladies et infirmités. Elles ne vont pas demeurer dans aucune vie au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que maintenant, que tu délies tout le monde. Comme tu délies la femme de l'homme mort, délie tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus mariés à la maladie, nous ne sommes plus mariés aux infirmités, nous ne sommes plus mariés aux démons, nous ne sommes plus mariés à la mort prématurée. Ainsi donc, Seigneur, je prie, délie ton peuple au nom de Jésus-Christ. La guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la rédemption pour tout le monde, et l'annulation et le brisement de tout joug, de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction dans votre vie, je l'annule. Toute condamnation, je l'annule. Et toute l'emprise de maladies et des infirmités, je prie que cela soit ôté de votre corps. La maladie qui s'agrippe à vous, que vous êtes à elle. Maladie, je te dis,
délier, libère tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur apporte la guérison totale à vous maintenant. De la folie, vous en êtes délié et affranchi. De la cécité, vous en êtes délié et affranchi ce soir au nom de Jésus-Christ. De la surdité au mutisme, vous en êtes libéré au nom de Jésus-Christ. La difficulté à parler, le balbutiement, vous ne pouvez pas bien parler, c'est comme il y a quelque chose qui bouche votre gorge. Soyez en délié au nom de Jésus-Christ. L'enflement, le fibrome, l'hernie, le goitre, l'éléphantiasis, et quel que soit le mal dans votre corps, tumeur, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Les douleurs derrière le cou, les douleurs aux jointures, les douleurs aux genoux, l'arthrite, je vous commande, disparaissez au nom de Jésus-Christ. La paralysie, le joug, j'ajoute les béquilles de votre main, le fauteuil roulant. J'enlève le fauteuil roulant de dessous vous. Que la force, la puissance du Seigneur vienne sur vous maintenant. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Les maladies, votre ancien père est mort. Alors on dit que la maladie là, t'est transférée, vous en êtes délivré. La maladie de votre vieille maman, que quoi que votre maman n'est plus là, elle a laissé la maladie à pouvoir porter. La maladie là, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit que parce que tu ne vas pas adorer l'idole de la famille et tu refuses, tu dis que je suis le Seigneur. Toutes les malédictions de l'idole, alors t'accompagne. Je brise le jour là dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes choses mauvaises qui t'accompagnent, tout pouvoir des ténèbres, du mal qui t'accompagne, vous en êtes déliés, délivrés. Ces jours sont brisés au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle mes veines, mauvaise chance, c'est lorsque je veux passer mon examen que je tombe malade. C'est là que je dois aller à un entretien de boulot que quelque chose arrive. C'est là que je veux avoir ceci, cela, que je fais le rêve, ceci est inversé. Ce soir, tout est révoqué. Tout pouvoir négatif dans ta vie, toute performance négative dans votre vie, je vous dis que vous en êtes délié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le miracle pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, à ma gauche, devant moi, partout, dans tous les pays, en ligne, dans tout pays, je fais répandre le miracle sur vous, je répands la puissance sur vous, je répands la libération totale, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Le ciel l'a confirmé que c'est fait. Examinez-vous. C'est confirmé dans votre corps que c'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Cela s'est produit. Vous allez sortir, venez, donner votre témoignage.